Depuis le 10 août, soit exactement deux mois, Shogel Kokala Maiga n'est plus réapparu en public. Et encore moins à la primature où le colonel Abdoulaye Maiga continue d'assurer son intérim. Si officiellement, le communiqué du gouvernement dit qu'il avait été mis en repos forcé, d'autres voix se sont appuyées sur le fait qu'il était malade et même hospitalisé. Très populaire, avant ce repos forcé, Shogel Kokala Maiga va-t-il ou peut-il revenir un jour pour occuper son poste? Qu'en pensent les Maliens? Une fois le repos terminé, est-il normal que Shogel Kokala Maiga reprenne son fauteuil à la primature? Le Premier ministre Shogel Kokala Maiga, bon, son retour, je ne pense pas. Même s'il va retourner, je ne pense pas s'il va retourner comme PM, Premier ministre. La disparition de Shogel Kokala Maiga est quelque chose de préparé. Si Shogel Kokala Maiga il a décidé de s'absenter un peu, je pense que c'est une politique pour que quand on va faire les élections, donc lui, il sera représenté par Assimi Goïta. Je pense que Shogel Kokala Maiga reviendra à son poste s'il se rétablit très bien, Inch'Allah. Oui, bon, je pense que Shogel Maiga il peut revenir à son poste si Dieu le veut. Son départ même, on n'a pas été trop dans le bain concernant son départ. Bon, ils ont dit dans un communiqué qu'il a pris un repos forcé, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas eu trop de détails là-dessus. Bon, or, le gouvernement a l'habitude de nous détailler les événements. Donc moi, je ne vais pas dire s'il va revenir ou pas. Je pense que c'est possible qu'il revienne, même si c'est avec des réserves. Vu que celui qui l'a remplacé est là par intérim, donc il est probable que Shogel puisse reprendre ses fonctions. Oui, s'il peut à dire. Shogel revient à son poste, s'il peut à dire. S'il se sent bien, qu'il pourra bien gérer le poste, bah, moi quand même je souhaite qu'il revienne. Oui. Qu'il ne revienne, mais pas en Premier ministre, mais en président, après la fin du mandat d'Assimi Goïta. Voilà, parce que tant qu'il y a Shogel, il y a Assimi Goïta. Déjà, moi je peux dire que celui qui est là, on a confiance en lui. Je pense que lui, il peut continuer à la place de Shogel. On le souhaite. Je pense que je peux parler voilà, à la place de tous les Maliens, mais moi personnellement, je pense que voilà, et je souhaite qu'il vienne à son poste. Parce que Shogel Kokala Maiga, c'est quelqu'un vraiment qui a des compétences que tous les Maliens le savent. Je le souhaite vraiment parce que grâce à Shogel, grâce à lui, grâce à son poste et tout, à sa nomination de Mali, les Maliens ont su connaître la valeur de notre pays. On a vu tout le monde parler du Mali grâce à Shogel, grâce à sa sortie à l'ONU. Donc quand il est sorti à l'ONU, tout ce qu'il a dit sur le Mali, sur la France et tout, on a aimé, on veut qu'il le revienne. Le revers à son poste. Suite aux réponses obtenues auprès de nos personnes interviewées, nous pouvons déduire que les Maliens attendent le retour de Shogel Kokala Maiga.